Simbizi Poutine c'est Mavumba. Le visite pour faire l'acceptation pour mes amis. Quand j'ai avec maman voiture, le showbiz, j'ai fait le showbiz dans ma voiture. Aujourd'hui, tu portes des bling bling. C'est mon habitude. Toi, tu n'as même pas de passeport. J'ai. Tiens. Yeah. So, mon chanson Balanfira. J'ai payé sorti. quand tu manges la viande, quand tu manges la viande pour la première fois, tu prends des photos, tu prends des vidéos et tu postes pour les autres amis. Oui, tu manges de viande maintes fois. Tu n'es pas prendre de photo parce que c'est tu as déjà manger de viande, c'est ton habitude. Tu prends de photo, tu prends de vidéo pour faire ton visibilité. Mais quand tu prends l'avion maintes fois, je prends l'avion comme bis. Pour demander, quand tu as besoin de demander le couloir, il faut d'abord payer le ticket de VIP. Okay. Quand tu ne payes pas le ticket de VIP, tu n'en prends pas le couloir. Mm-hmm. Oui, oui. C'est-à-dire, toi, quand tu vas à l'étranger, tu passes où? Dans le VIP. Quelle est la personnalité que tu as déjà rencontrée dans ton voyage, dans tes voyages en avion? Le monsieur qui s'appelle Sion. Sion? Oui, oui. Businessman. C'était un voyage tout. Le voyage de Chicago. Monsieur Sion, fait bravo. Ça va sauter quand? La semaine prochaine. Montrer que l'autre artiste, que j'ai beaucoup de faire, mm-hmm. que l'autre artiste n'ont pas fait. Okay. Quand Balanfira est sorti, okay. dans la chaîne YouTube de Bear Chris, mm-hmm. tu prends ton téléphone, okay. quand tu prends ton téléphone, okay. Quand Balanfira est entré de dur, mm-hmm. introduction. Okay. Quand tu es la fille, dans cet instant, okay. tu dois attaquer avec le grossesse. Directement. Tu vas attaquer avec le grossesse directement. Comment tu gères les filles avec ta célébrité? Je sondole avec les protections. Les gens de fou. Les gens de fou. Ce sont des fous. Yeah. Quand je dure un an ou deux ans de diaspora, hein, je peux gagner beaucoup d'argent. C'est pas comme tu gagnes beaucoup d'argent ou de l'argent dans la concert seulement. Okay. Il y a beaucoup de moyens pour gagner l'argent. Je ne fais pas le mariage, je fais la musique seulement. Qu'est-ce que tu peux me suggérer sur mon émission en français? Qu'est-ce avec vous les artistes. À ma part, c'est normal. Mm-hmm. C'est bien parce que quand tu fais l'émission de français, il y a les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait prendre deux minutes ou une minute pour parler le français. Okay. Quand tu fais l'émission de français, il y a beaucoup d'artistes qui ont d'entrée d'améliorer. Les Français. Et comme conseil, tu prendras des moments pour chercher beaucoup d'artistes. Et beaucoup d'artistes qui ont dû, c'est les légendes. Moi, en anglais, j'ai tué. Bon. Bonsoir, et maintenant c'est la nuit, moi c'est Simbizi Poutine, c'est Mavumba.
C'est mon nom. Aujourd'hui, je suis avec le grand Belcris. Salut Belcris. Salut. Comment ça va? Bien. Hein? Ça va bien. Et ça marche? Ça marche. Oui, oui. Maintenant, tu es où? Tu, on ne te voit plus, Belcris. À la maison. Maintenant, tu habites où? À Cagnoche. À Cagnoche. Oui. Ici même, là où nous sommes. Yeah. Et je viens de te trouver dans un salon de coiffure. Tu étais en train de faire quoi? De visiter seulement. Faire des visites? Yeah. Quelle visite que tu fais dans les salons de coiffure? Les visites pour faire la salutation pour mes amis. Faire? La salutation. Ah, ici, c'est, il y a tes amis? Yeah. Mmh. Oui. Mais je crois que vous, les stars, vous faites des showbiz. Quand tu as ton vote, parce que j'ai mon vote, quand j'ai avec mon vote, le showbiz, j'ai fait le showbiz dans mon vote. Dans ta voiture. Aujourd'hui, je te porte des bling-bling. C'est mon habitude. Où tu trouves ces bling-bling que tu t'habilles souvent? Dans les pays que dans les pays riches. Dans les pays riches? Oui. Comme quel pays riche? Toi, tu n'as même pas de passeport. J'ai. Tiens là. Yeah. Hey, je t'ai vu, tu étais à l'aéroport. Oui, oui. Je veux savoir sur ton parcours aux États-Unis, comment ça s'est passé? Parce que moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas déjà fait une interview avec toi. Yeah. Comment ça s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, aux États-Unis, toi, c'était déjà au Canada? Oui. Yeah. Qu'est-ce que tu étais allé à Chicago? C'était quoi là-bas? Comment c'était passé là-bas? C'est pour faire les collaborations seulement. Ça a été comment? Comment tu as préparé le projet? Mon projet, il reste en secret. Et ben, dans quelques une semaine, les chansons, mon chanson Balanfira, j'ai pu sortir. Elle te rit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Idrissa Semavumba. Qui te fait rigoler? Ok, commencez. Aujourd'hui, tu n'as pas le son vibe de Belcris qu'on connaît. Comment ça passe le vibe? Ou bien c'est le showbiz qui t'a fait que tu hein? Comme d'habitude, il faut. C'est tous les jours, ils ne sont pas dimanche. Il faut changer le comportement dans une interview, le comportement de parler, le comportement de faire des gestes, etc. Ah, aujourd'hui, c'est pour que tu as changé. Oui, oui. C'est ce que tu as appris quand, dans ton voyage aux États-Unis. Non. C'est le. Je change. L'interview de français, l'interview de Kelondi, je change pour. Donner les spectateurs bonne idée. Ok. Alors, est-ce que là-bas aux États-Unis, tu es parti, on n'a même pas vu une vidéo, mais les autres artistes, quand ils sont en étranger, ils prennent des photos, ils prennent des selfies, mais toi, on n'a pas vu tes images là-bas. Écoute-moi, quand tu manges la viande, quand tu manges la viande, pour la première fois, tu prends des photos, tu prends des vidéos et tu postes pour les autres amis qui oui voient quand tu déjà mangé de viande, mais quand tu manges de viande maintes fois, tu n'es pas prendre de photo parce que c'est tu as déjà manger de viande, c'est ton habitude. Oui, oui. Ça, quand tu prends l'avion pour la première fois, comme tu prends de photo, tu prends de vidéo pour faire ton visibilité.
Mais quand tu prends l'avion, maintes fois, je prends l'avion comme bus. Comme bus. Hey. Okay. Comme vélo. Et toi, tu n'es pas acheté de vélo? Non, non. Non, non. Ok. Alors, dernièrement, il y a un artiste qui était parti faire un concert à l'étranger. Et puis, lors de sa rentrée, il a posté en demandant la couloir des VIP, qui est la couloir des artistes. Ah. Est-ce que toi, quand tu vas à l'étranger, d'abord, comment tu as pris ce poste-là? Pour demander, quand tu as besoin de demander le couloir, il faut d'abord payer le ticket de VIP. Okay. Quand tu ne payes pas le ticket de VIP, tu n'en prends pas le couloir. Mm-hmm. Oui, oui. C'est-à-dire, alors, toi, quand tu vas à l'étranger, tu passes où? Dans le VIP, business. Yeah. Yeah. C'est, tu payes le ticket business? Yeah. Mais pourquoi on n'a pas déjà vu ta photo? Ben, il fallait montrer d'abord au moins une image. C'est parce que je prends l'avion maintes fois. Mmh. Oui, oui. Ok. Yeah. Quelles sont les personnalités que tu as déjà rencontrées dans le business class? Parce que dans le business class ou bien dans le VIP, il passe des grandes personnalités. Quelles sont les personnalités que tu as déjà rencontrées dans tes voyages en avion? Et le monsieur qui s'appelle Sion. Sion? Oui, oui. Businessman. C'était quand? C'était un voyage tout. La voyage est passée, la voyage de Chicago. Mm-hmm. Yeah. Tu as rencontré avec Sion? Vous avez parlé, vous avez fait. Non, non. Mm-hmm. Il m'a demandé de faire la capelle. Ok. Et je fais un cappella, je chante Baram Fira. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as chanté Baram Fira? Monsieur Sioni fait bravo. Mm-hmm. Yeah. Mais sur Baram Fira, ça fait très longtemps qu'on entend Baram Fira. Baram Fira, ça va sauter quand? La semaine prochaine. Ok. Yeah. Et quelle est la surprise avec ces chansons? La surprise, c'est pour changer la musique et volonté. Ok. Yeah, pour changer la musique et volonté, pour montrer que l'autre artiste, que j'ai beaucoup de faire, mm-hmm. que l'autre artiste n'ont pas fait. Ok. Yeah. Et quelle est la spécialité qui se trouve dans ta chanson? Quelle sera cette différence que tu vas montrer? Ta chanson, quel est le contenu? Hein? Qu'est-ce qui va prouver que ta chanson amène le changement dans la musique burundaise? Wait and see, bro. tu as la confiance. Tu as la confiance de ton œuvre. Je peux pas dire dans ce moment. Hey. Oui, oui. Parce que dernièrement, quand récemment, quand on a fait une émission avec toi, tu m'avais dit avant la sortie de la chanson Mélina, tu m'avais dit que il y a la chanson qui va amener, qui va faire tourner. Les artistes qui ont venu de l'intérieur du pays qu'on va les chasser. Mmh. Hein? Tandis que Baram Fira, okay, donne le glossesse. Baram Fira donne le glossesse dans le fait mondial. Dans le fait mondial. Comment alors? quand Baram Fira est sorti, okay, dans la chaîne YouTube de Bear Chris, Tu prends ton téléphone. Okay. Quand tu prends ton téléphone, okay, quand Baram Fira est entré de dur, mm-hmm, introduction. Okay. Quand tu es la fille, dans cet instant, okay, tu dois attaquer avec le glossesse. Directement. Tu vas attaquer avec le gros, c'est directement. Tu vous entendez ce qui va se passer quand la chanson de Bekis va sortir? Les filles, attendez d'être en... Alors, qui sera le responsable de ces grossesses? Ça sera toi? C'est moi. Tu vas engrossir toutes les filles de la planète. Yeah.
qui vont écouter ta chanson. Yeah. Ah. Alors, si c'est toi le responsable, est-ce que tu as les moyens de les nourrir, de prendre en charge tous ces enfants qui vont naître à cause de ta chanson? Oui, oui, oui. Mm-hmm. Et tu vas les gérer comment? J'achète le linge. Mm-hmm. Linge, mm-hmm. Les habits d'enfants, les nourritures, etc. Etc. Ah. Ça sera trop dur comme. Pour toi? Hey. À moi, c'est simple. De prendre en charge tous les enfants de toutes les filles. Oui, oui. À moi, c'est simple. C'est très, très simple. Mm-hmm. Yeah. Ok. As-tu déjà. Est-il arrivé une fois qu'une fille vient dire que Bécris m'a engrossé? Non, non. Mm-hmm. Non. Dans ta carrière de la musique, comment tu vis avec les filles? Toi, tu es une star. Tu es une star. Et tu as déjà fait ton empire, hein? Est-ce qu'on peut demander de diminuer un peu le volume à nos voisins, un peu juste parce qu'on va terminer, hein? Un peu seulement. Hein? Est-il arrivé une fille qui vient dire au Bécris, hein? Les filles là, parce que je connais les filles mais les stars. Yeah. Comment tu gères les filles avec ta célébrité? Je sondole avec les protections. Et tu les sondoles? Avec les protections. Ah, Sylvie, ou bien tu fais des showbiz, tu dis non, non, moi, Bécris, non, c'est pas mes affaires. Il y a le cas de showbiz et le cas que tu. Parce que quand tu es dans la musique, hein? Et il y a beaucoup de filles qui viennent de toi. Je t'aime, nanana, je t'aime beaucoup, j'ai besoin de coubiter, mm-hmm. Et beaucoup de mots. Mm-hmm. Il y a le cas, tu fais de showbiz. Okay. Il y a le cas que tu peux s'endouler. Okay. Tu peux s'endouler. Des fois, tu s'endoules. Yeah. Yeah. Et tu les s'endoules. Si mes mères cagnent, ou bien d'attendre, mais j'ai vu une maison, tu avais une maison à Kigobe. Oh, yeah. Mm-hmm. À Kigobe, j'ai à Kigobe, j'ai à Kanyoche. J'ai à Kigobe, tu es à Kanyoche. Yeah. Quels sont les autres business que tu fais? Musique seulement. Tu fais la musique seulement? Yeah. Et alors que les gens disent que toi, tu ne fais pas de la musique, ce sont tes buzz qui te fait que ton nom apparaisse dans les journaux. C'est le buzz qui paye ma maison, c'est le buzz qui paye mes habits, c'est le buzz qui paye mes nourritures, c'est le buzz qui paye. C'est il y a les gens qui disent ça. Les gens de fous. Les gens de fous. Ce sont des fous. Yeah. Tu fais aucun. Okay. Je t'ai jamais vu sur une affiche d'un concert. Je t'ai jamais vu. Il y a beaucoup de moyens, mm-hmm. qui donnent des moyens de gagner, mm-hmm. beaucoup d'argent. Pas de concert, pas de quoi. Il y a le moyen de collaboration, il y a le moyen d'écrire les chansons d'autres artistes. Okay. Il y a les diasporas, okay. qui a besoin de blend. Okay. Et de blend. Dans l'émission ou dans les interviews, quand je dis un nom ou deux noms de diaspora, je peux gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Yeah. C'est pas comme tu gagnes beaucoup d'argent ou de l'argent dans la concert seulement. Okay. Il y a beaucoup de moyens pour gagner l'argent. Pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de moyens. Alors, quels sont tes projets d'avenir? Maintenant, on est juste au début de l'année, c'est pas très loin, on est en mars. Alors, quels sont tes projets? Tu prévois faire quoi dans cette année? Dans cette année? Oui, oui. Dans l'année de 2022? Oui, oui. Beaucoup de collaborations. Ok. EP. Okay. J'ai le projet de faire EP. Ok. Yeah. Seulement? Yeah. Okay. Beaucoup de collaborations, EP. Okay. Et je ne fais pas le mariage, je ne fais pas. Je fais la musique seulement. Tu feras la musique seulement. Alors, Bécris, il y a des gens qui veulent savoir. Sur ton profil intellectuel, tu as quel niveau d'études? Humanité. Ok. Yeah. Tu as fait quoi l'humanité? J'ai fait quoi? Mais tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as étudié? Ah, ok. J'ai étudié
informatique et de maintenance. Informatique de maintenance. Alors, comment tu comment qu'est-ce que tu peux me suggérer sur mon émission en français qu'est-ce avec vous les artistes? Qu'est-ce que tu peux me suggérer? Changer la question, monsieur. Alors, quels sont les conseils que tu peux me donner? Ok, les conseils que tu peux donner dans l'émission de français. Et d'abord, comment tu le trouves? À ma part, c'est normal. Mm-hmm. C'est bien. Parce que quand tu fais l'émission de français, il y a les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait prendre 2 minutes ou 1 minute pour parler le français. Okay. Quand tu fais l'émission de français, il y a beaucoup d'artistes qui ont d'entrée d'améliorer les français. Et comme conseil, tu prendras des moments pour chercher beaucoup d'artistes. Et beaucoup d'artistes qui ont dû, c'est les légendes. Beaucoup de légendes, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Mais il y a des cours d'histoire, les cours d'histoire d'apprendre les langues. Tu as fait. Au cours d'histoire. Où tu trouves ces français? Soit tu as fait le cours du soir parce que tu as fait les techniques. Parce que les fundis négligent beaucoup. Le cours du soir, j'ai fait le cours du soir en anglais. En anglais. Moi, en anglais, j'ai tué. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tes fans qui te manquent? Pour terminer. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Monsieur le caméraman, on a déjà fait combien de minutes? 17. 17 minutes. Peux-tu dire? mes fans, les fans de Belle Chris, ici je suis avec votre fait rap. Parce que justement, qui t'a introduit? Tu peux t'introduire en français? Je m'appelle Festi Rap à Belle Chris. Festival rap en français, c'est comment? Festival rap. On a premier l'appel. Premier l'appel. Ok, partagez cette vidéo, Maxmo, parce que l'appareil va éteindre. Alors, commentez et. Pas éteindre, c'est éteindre. Éteindre. Maintenant, parce que tu as du courage de parler avec énergie alors que tu étais. Alors, je vous aime beaucoup, moi, c'est Simus MSM, avant pas bien des caméras, j'étais avec.